Bon, bah, on va se casser parce que je vais rien obtenir ici. Attends. Attends, parce que il y a le tigre à dents de sable de Morgan, mais il y a aussi le lion d'Irwaki. Qu'est-ce qu'il veut, le lion d'Irwaki? Illusion intrépide et illusion noble. C'est non, Ilan. Tu vas pas m'avoir comme ça. J'ai pas 14 ans. Illusion intrépide. Tyrannorégis. Est-ce que je sais où est-ce qu'il y en a des Tyrannorégis? Ça m'est pas dit. Je crois qu'il y en a à Fantasia des Tyrannorégis, non? N'hésite pas à sub si t'as des sous à donner, bien sûr. Sans sub, je te fais 1000 pompes si tu veux. Et l'illusion noble. Boutique Mog général quoi? Démantèlement. Mais c'est quoi le démantèlement? Fais voir. Démantèlement. Dream Drop Distance. J'aimerais bien comprendre ce que c'est, ça va être une mécanique importante, j'ai l'impression. Pourquoi il n'y a que des gens qui savent pas ce que c'est qui répondent? Il y a un gars qui demande c'est quoi le démantèlement dans Dream Drop Distance et il y a un type qui dit j'ai pas fait le jeu mais je pense que c'est une commande réaction. En sacrifiant un aval rêve. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est sacrifier un esprit ou quelque chose comme ça. Ça marche, mais c'est on va essayer. J'ai trouvé une vidéo. Non, ça a l'air chiant. Attends. C'est horrible. Ah oui, d'accord, c'est vraiment ça. Il faut attendre qu'un ennemi ait plus de vie, enfin qu'un aval rêve à nous n'ait plus de vie, et le sacrifier. C'est le seul moyen de l'avoir, ce truc-là? Illusion noble. Je veux pas faire ça, moi. Sinon, à la boutique Mog, ils disent. Mais je dois pas encore l'avoir. J'en ai déjà eu deux. Dans les coffres, probablement, mais... Tu t'approches d'un esprit de ta team et tu peux le sacrifier. Ouais, mais quand il a plus de vie... Je veux pas faire ça. Gougou, Soso, comment ça va? C'est horrible. Bon. Je vais continuer à farmer mon XP, alors. J'irai chercher la compo pour le tigre à dents de sabre avec Sora. Quoi de neuf, Soso? Ça va la vie? Putain, je suis deg, les amis, on a perdu Ilan, il a pas fait son don, quoi. Vous croyez qu'il avait 14 ans? Moi, je pense. Est-ce qu'il y a des streamers qui le font au cas où? Genre, dans le doute que le mec donne 10 balles, est-ce qu'ils font 10 pompes?
Ils doivent être tout fiers quand ça marche, tu sais. En mode, hé, lol, t'as fait 10 pompes et en fait, je te donne rien du tout. Tu t'es fait eu. Ça me fait rien. Oula, wow, doucement. Salut Siam, comment tu vas? Ma vie, elle est pas plus de 13 ans et demi, ouais, je pense aussi. Mon ergothérapeute part en vacances, donc pas de crochet pendant 3 semaines. J'en ferai dans mon coin, mais ça me sortait. Ton ergothérapeute te fait faire du crochet, c'est ça? Cool, cool. Tu joues pas à Animal Crossing? Eh non, pas tout le temps. Animal Crossing, c'est que 2 jours par semaine. Le reste du temps, il y a plein d'autres choses. Je suis un streamer multi-gaming, Siam. Et n'hésite pas à venir sur les autres lives parce qu'on s'amuse bien aussi. On découvre des jeux. Souvent, c'est atelier crochet. C'est cool, ça. Je vais bien, Siam, je vais bien. Et salut, Alicia. Et non, pas d'Animal Crossing. À toujours. Par contre, les gens de TikTok, n'hésitez pas si vous voulez des aval rêves. Hein. Si vous voulez que je nomme un personnage à votre nom, c'est possible aussi. Hein. Le jeu, c'est Kingdom Hearts Dream Drop Distance. De la licence Kingdom Hearts qui compte... combien de jeux? Quasiment 10 jeux. Et on fait un marathon de tous les jeux de la licence. Et c'est le 7ème, je crois. Trop. Nous, on a bien suivi le scénario. Hein, le chat, que vous connaissez le scénario par cœur. Vous avez bien suivi? Ça fait plus d'un an qu'on fait ce marathon, vous avez suivi, non? Je pense que les gens qui se bouffent les VOD YouTube ont beaucoup plus suivi. Jamais entendu parler, je découvre. Et bah, trop cool! Si ça te plaît, t'auras l'occasion de tester. C'est une licence qui date de, du début de la PlayStation 2. Hein. Tout suivi. Je m'étonne pas de toi, Venter. Oui, il y a un rêve et tout. Erwan a tout suivi aussi. Je m'étonne pas. Vous êtes des gens assidus dans le chat, ça c'est beau. À la fin du marathon, je ferai une interro surprise, on fera un quiz. Ah, oh, en vrai, premier degré, c'est une bonne idée. Bon, on sait déjà plus ou moins qui va gagner, ça va se jouer entre Hiroaki et Vente, mais... mais ça peut être rigolo. Ça marche, Morgan. Bon, vous savez quoi? Je le note. Dans ma page des sub goals des 4 ans, je note toutes les idées un peu fancy que j'ai. Quiz sur le lore de Cache. Je peux pas, j'ai piscine le jour du quiz. Non, le quiz se passe à la piscine, Seven. C'est pas possible, du coup. Il sera obligé de participer. Je ferai des lots à gagner, tu sais quoi? Des petits giveaways. A tout, Siam. J'ai aquaponé. Vous voulez pas participer à mon quiz? Ça vous intéresse pas, mon quiz? D'habitude, vous aimez bien quand je fais des quiz. Non? Vous aimez pas mes quiz? Peut-être que je ferai gagner des Arnoux, on sait pas. Je vous fais gagner mon Kigurumi. Putain, quand je pense que j'ai une photo sur OnlyFans à faire pour Laetitia.
Lequel? Ah, les deux? Putain, je pourrais faire ça si jamais je suis pris au The Event, je fais une enchère sur mon Kigurumi. À l'attaque! Je fais ça pour les trophées, je le fais jamais. De battre des ennemis avec les altérations du réel, je le fais jamais. J'avais organisé un quiz à CNH sur le Discord à l'époque, c'était rigolo en vrai. Je suis chaud de participer même si j'aurais pas les réponses. Bah, en fait, généralement, tous les ans, à mon anniversaire, je fais un quiz. Il y a des questions de culture G, il y a des questions basées sur le lore de la chaîne. Peut-être que ce sera à cette occasion, il y aura peut-être une catégorie Kingdom Hearts. On verra, je sais pas encore. Je sais qu'en général, j'aime bien faire des quiz pour les anniversaires. À part la première année, j'en ai fait tous les ans. J'en ai fait aussi pour 106%. Je suis niveau 42 avec Riku. Peut-être que si on arrive en haut d'Illusiopolis, on peut essayer de taper en SEM. Voir si on y arrive. C'est quand l'Arnoversaire? C'est début décembre. La chaîne fête... Enfin, c'est pas la chaîne qui fête son anniversaire, c'est moi. C'est ma présence sur Twitch. J'ai commencé à stream le 5 décembre 2020. Donc le 5 décembre 2024, ça fera 4 ans. Déjà. Les quiz sont super sympas. Merci Erwan, je fais de mon mieux en tout cas. Ok. Je sais pas encore précisément ce que je fais cette année hein, pour les 4 ans. Ce sera probablement un événement sur plusieurs jours comme tous les ans. Est-ce que ce sera un sub-bâton peut-être? C'est peut-être l'occasion. Putain, j'ai pas eu le temps de me soigner, ça m'énerve ça. C'est pénible. Je suis un gros rageux. Ok. Oui. Oula, j'ai eu peur un peu. J'ai cru qu'il allait me faire une dinguerie celui-là.
Ok, c'est comme si c'était rien passé. Bonsoir Loompa, comment ça va? Bougou. Il va recommencer, attendez. Ah, ok, j'attends. Oh merde. Arrêtez de m'embêter. Gougou. Ça va Loompa? Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Ça va. Ça va bien. Ça farm de l'expérience dans Kingdom Hearts. Ça crée des petits avals rêves. Loompa qui faisait partie des premiers avals rêves qu'on a créé. Le saviez-vous? On a fini Loompa depuis longtemps. Oui, c'était plus une chèvre, mais on m'a fini dit comme ça. Non mais on a fini de monter ton expérience. Passer sur Sora du coup. J'ai raté. Ok. Super. Je peux tout prendre ou c'est moi? Oh bah je prends tout. Ok, on était au pays des gardements, donc c'est bien là qu'il faut aller. Hein. Re Morgane. C'est bien là qu'il faut aller pour faire le tigre de Morgane. Fais voir, laisse-moi vérifier. Portail 4, 5 et 6 du paradis des garnements. D'accord. Paradis des garnements, 4, 5 et 6. Creek, abysse à l'est, fond marin. Sortons d'ici alors. Oh, les retrouvailles, c'est beau. Vous êtes mignons. Ça me dégoûte. Abysse à l'est ou la crique. Fond marin. Au sud-est, près de la sortie. Donc ça doit être par là.
Après, je me demande si je l'ai déjà fait et réussi, est-ce qu'il est encore là? Salut Lilm, comment ça va? C'est un bail? Je reste en semi-lurk, sorti de rando ce matin, je suis KO, vous êtes allé où? Bon, je pose des questions alors que t'as dit que tu voulais être en lurk. Je me tais. Merci d'être là, Lilm, ça fait plaisir. On peut faire un aval rêve à Lilm si je peux en crafter un. Est-ce que je peux crafter un aval rêve? Un aval rêve? Est-ce qu'on peut crafter un truc pour Lilm? Oh Lilm, on peut te faire on peut te crafter un pingouin ou un dragonnet à ton nom. T'en veux un? J'essaie de me motiver à bosser un peu sur le JDR, mais aussi j'ai une grosse flemme. Ouais, mais repose-toi, hein, c'est bon. Je suis 100% en l'air que ces derniers temps, mais je passe souvent. On est allé au Pic Saint-Loup. Bah oui, le classico. Ça vous a plu, c'était cool. Tu feras des bisous à JB. As you wish. Allez, on peut faire le petit pingouin. Le bain pingou pour Lilm. Content, j'ai gagné mes premiers sous-sous sur une commande aquarelle. Let's go. Tout le monde dort ici. Ouais, reposez-vous. Oh, il a une petite serviette sur la tête. Voilà, ça c'est Lilm qui revient de sa rando. Je pense que j'ai pas la place d'écrire Lilm Pumpkin. Non, j'aurais pas la place. Il faudrait 7 lettres en plus. J'en ai que 6. Ce serait Lilm Pumki. Lilm, ce sera bien. Voilà. Lilm et moi, on est le gang des pingouins. Ouais, vous êtes les deux pingouins. Putain, vous savez quoi? Je vais faire le dragonnet, je vais l'appeler JB. Oh non, je peux pas le faire. J'ai plus les compos. Oh non. Oh my bad. Bon, la prochaine fois, alors. Soon. Et on a bientôt fini Oxedora, hein. Tsukai, c'est pas encore ça. Colette, je veux attendre les 200 points pour Colette. Bah, tout le monde manque de motivation, on dirait. Bah ouais, mais c'est vendredi, c'est bientôt le week-end aussi. Pour le coup, moi, je suis plutôt motivé. J'ai fini toute la prépasserie pour m'inscrire en auto-entrepreneuse. J'ai eu une réponse ce matin, c'est méga rapide. Mais ouais, ça va vite, en vrai. Hein. GG, Loompa, trop bien. Bravo, bravo. Tiens, clap pour Loompa, pour les démarches. GG. Excellente. Alors, du coup, je pense que les portails que j'ai déjà faits sont plus accessibles. Que j'ai fait et que j'ai gagné. Donc. Voilà. Oh, mais c'est Kendo Saki! Bonjour Kendo Saki! Comment ça va Kendo Saki? Bonjour! Attendez, je fais un petit SO à Kendo. La légende veut que bientôt cette chaîne sera à nouveau active. Allez, follow Kendo. Putain, d'ailleurs, Kendo. Il faut qu'on lui crafte son esprit à Kendo. J'ai toujours pas crafté de girafe, si? Elle est où la recette de la girafe? Je l'ai seulement. Je l'ai pas encore. J'ai même pas la recette. Ça dégoûte. Du coup, toi aussi, ça avait été rapide. Je suis étonné, on m'avait dit 4 à 10 semaines. Ah non, moi, ça avait été hyper rapide. Et il fallait que ce soit rapide parce qu'il fallait que mon auto-entreprise soit ouverte avant que je sois officiellement licencié de ma boîte d'avant. La légende veut que je sois réel. Il est réel, le Kendo. Il est beau, il est grand, il est fort. Abonnez-vous. Le roi de la plante. Bon, du coup, on est dans les abysses. Nya. Nya. Hey.
Écoutez, ça y est, j'ai mon numéro de sirène. Sirène, faut que je fasse l'inscription à l'URSSAF et que je prospecte. Ouais, ça y est, c'est lancé. Bah, courage pour tout ça, Loompa. Comment il va le kendo, quoi de neuf? Non, j'essaye d'aller direct à la crique. Hein. Ah, attendez, j'en ai un. Bat tous les esprits en 20 secondes. Allez, on y croit. On y croit que c'est lui, on y croit. Ah voilà, il y a une Loompa dans le tas. J'ai gagné. Il vient de voir Tojido, il est enfin en vacances. Pause, que vais-je faire de ma vie? Oh non, c'est terrible. C'est terrible, Kendo. Illusion noble, c'est toujours pas ce que je veux. Putain! Merde. Merci pour les beats, Kendo. Comment il va, Tojido? Moi, je dis ça comme ça, Kendo, mais j'ai rendez-vous chez ma psy ce soir et après, j'ai rien de prévu. Hein. Après, voilà. Comment on sort d'ici? Est-ce qu'il y a une sortie dans le coin seulement? Ce gros date sur Montpellier. Bah ouais, j'arrête pas de vous le dire, venez à Montpellier. Il est réel aussi. Et il vaut bien. En tout cas, il donne l'impression. Donne l'impression d'aller bien, quoi. Déjà pas mal. Attendez. Comment on y va à la crique? C'est par là? Non, ça, ça fait remonter, ça. Bonjour Vincent, c'est les mercredis matin et jeudi après-midi Animal Crossing. Je prends note pour plus tard. Tu me diras. À partir de 20h30, j'ai plus rien à faire, voilà. Je dis ça comme ça. Enfin, normalement. Je vole sous l'eau. Que personne ne me dise que c'est pas logique. Je sais pas exactement où je vais. Hein. J'essaie de trouver l'accès à la crique. Non mais ça doit pas être là, ça doit être à l'extérieur la crique. Ah oui, là ça doit être la suite et c'est bloqué parce que c'était juste le combat de boss. Ok, j'ai compris. C'est bon, je m'y retrouve. L'homme au mille chat, toujours l'île, non, toujours. Roblox, c'est quel jour? Roblox, c'est un peu tous les jours, Seven, tu sais. Voir. Ça se trouve, j'ai un TP pour la crique. Roblox, c'est un état d'esprit avant tout. Roblox, c'est avant tout une passion. Roblox, c'est vraiment une passion. Brawl Star aussi, ça devient une passion petit à petit. Hein. Ah!
Remporte la victoire sans utiliser les commandes X. Je vais les faire parce que ça donne des récompenses, mais bon. Ça se date sur Montpellier. Peut-être je suis en train de date Kendo, ouais. Peut-être j'essaie de date Kendo. Je connais pas Roblox. Comment ça, Erwan? Comment tu peux ne pas connaître Roblox alors que c'est le meilleur jeu de la Terre? La vie, c'est avant tout des rencontres. La vie, c'est avant tout Roblox. J'ai gagné. C'est mon chat? Ouais, mais c'était l'ennemi. C'était un méchant chat, Arizona. Oh, tiens, il est gentil. Petit Roblox, bien sûr. Le meilleur jeu de la Terre, c'est Zelda. Après Roblox. T'as pas la rêve de Roblox, Erwan, j'ai l'impression. Oui, ça y est, j'ai mon numéro d'entreprise. Je suis officiellement une businesswoman, c'est vrai. On a une businesswoman dans le chat. Alors la ref, Erwan, c'est que depuis que j'ai plusieurs chats, notamment les chats TikTok et YouTube, et que je fais du Animal Crossing, il y a beaucoup d'enfants dans le chat. Et c'est hyper souvent que les gamins, ils me demandent « Tu joues à Roblox ?»« Ou tu joues à Brawl Stars ?» Jeu auquel j'ai jamais joué, parce que j'ai passé la majorité. Et ça me fait beaucoup rire. Est-ce que je pense faire un jour le 100% de Zelda Tears of the Kingdom? Tout à fait, Vincent, c'est complètement prévu. En ce moment, on fait un marathon de tous les jeux Zelda. Tears of the Kingdom étant le dernier de la timeline, ce sera le dernier, et on fait tous les Zelda à 100%. Donc, soon. Oh, là, il y a un portail, là. Je les fais tous dès que je les croise, maintenant, j'en ai rien à foutre. Disparaît. J'ai hâte de voir l'overlay. Les trois attaques fluidité. Ok. Sauf Minish Cap. Dans la mesure du raisonnable, je l'ai fait à 100%. Ouais. J'ai réussi. Est-ce que c'est relou? Wind Waker probablement aussi. Hein. Wind Waker, il y a des chances qu'il soit pas fait exactement à 100% parce qu'il faut faire la partie deux fois. Bon bah petit Roblox, hein. Illusion d'altitude, c'est toujours pas ce que je veux. Y'a rien de spécial, l'overlay, il est simple. C'est souvent pas plus mal, hein. Le mien, il est très simple, hein. Il est pas très animé, il est pas très chargé, On kiffe. C'est même souvent mieux, ouais, c'est ce que je dis aussi, moi j'aime pas les overlays trop chargés. J'aime pas les trucs qui sont animés, enfin c'est très perso, hein. J'aime pas les trucs qui sont trop animés, qui attirent trop l'œil dans tous les sens. C'est juste censé être une, comment dire, des fioritures, une petite décoration, mais c'est pas censé être ça qui attire l'œil, c'est le jeu ou la personne qui stream qui est censée attirer l'œil, tu vois. Tu deviens pas un VTuber avec des paillettes de partout? Bizarre. Bon, j'avoue, je m'attendais à ça aussi, mais... C'est là, la crique? Ah non, c'est fond marin, là. C'est là où j'étais, la crique? Non mais... Promontoire... Je suis en train de devenir fou. Elle est où cette putain de crique? Pauvre, je deviens un panda. Ça fait un overlay panda. C'est un overlay Aoko que ça fait.
Aoko Proof. Alors attends. Cache 3D. Cric. Ou alors j'ai mal lu et c'était écrit cirque. Si c'est ça, je me tabasse. Cirque, ok, d'accord, je me tabasse. Je me déteste. Et du coup, c'est bien celui que je viens de faire. Et qui donnait pas le bon truc. Où je deviens fou. Lance pas le chat sur cette idée, ça va faire du drama. Tu veux dire, tu veux pas que je lance le chat sur l'idée que t'as fait un overlay Aoko? C'est ça, hein? Moi, le drama, je déteste ça. Le drama, je déteste ça. Vraiment. C'est pas du tout ma passion. Tant que c'est un drama qui fait du mal à personne. Et que je suis pas concerné. Salut fan d'Animal Crossing. Ça va bien. Bienvenue. Ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Je suis cringé. Ok, je me tais. Comme les dramas coréens. Oui, exact, ceux-là, ouais, ceux-là même, bien sûr. Tous les jours, les dramas coréens, tous les jours. Oh non, du drama, zut. Aïe. Je suis amusé. Le drama, ça me met mal à l'aise, ça me fait rire, moi, un peu. Tant qu'ils font du mal à personne. Ok, donc c'est là, c'est dans le cirque. Mais où? J'en ai fait un tout à l'heure ici, ça m'a pas donné ce qu'il fallait, on est d'accord. Il y en a pas d'autres. Elle me ment cette soluce, je vais pas arriver à le faire ce putain de tigre. J'adore les dramas, mais ceux des autres. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon. Eh ben, écoutez, on va essayer d'aller taper en SEM. Avec Riku. Que je dois avoir monté pas mal de niveaux. Fusion. Will Messner. Stylé. Oh là là, je me fais quand même péter la gueule. Quand tu vas refaire une vidéo à CNH, je voudrais bien passer sur ton île et aussi te donner un cadeau. Alors, comme je le disais hier, et comme je le dis tous les jours, je n'accepte pas les gens sur mon île tant qu'ils sont pas présents sur le chat depuis longtemps. Et deuxième chose, les live Animal Crossing, c'est le mercredi et le jeudi. Juste visite, ça marche, Seven, t'as pas besoin du point d'exclamation. Mais il le verra pas.
Je devrais rajouter la clause. Je ne prends que les gens majeurs, carte d'identité à l'appui. Ok. Niveau 43, allez, on essaye. On essaye. Par contre, je me demande si c'est une bonne idée d'avoir Messner dans l'équipe parce qu'il est beaucoup plus bas niveau. Au pire, c'est pas grave, c'est pas trop sur les esprits que je compte. Est-ce que je peux leur faire une petite fusion de compétences avant, peut-être? Est-ce qu'on peut faire évoluer Will? On peut faire progresser un peu Will. Will est bientôt fini. Il manque 300 points pour finir Will. Il me faut une fusion de plus avec Vano. C'est pas pressé. Sinon, ce que je peux faire, c'est garder Messner, mais avoir Vano à l'extérieur. Bon, ils ont plus ou moins le même niveau, ceci dit, mais... Oh non, attends, il faut que je fasse des caresses à Messner. Je fasse des caresses à Messner, bougez pas. Parce qu'il a les yeux verts, il faut les yeux violets aussi. Vert ou violet, tapoter son corps. Bon, on va tapoter le corps de Messner. Merde, il vient d'avoir les yeux bleus, pourquoi? Est-ce que j'ai tapoté sa tête? Ah bah non, bah ça va pas marcher alors. Merde. J'ai bientôt fini Will, sorti de contexte, c'est très louche. C'est marrant que ça vous trigger à ce point. Hein. Je dis les mêmes phrases depuis le début du jeu et à chaque fois il y a quelqu'un qui réagit, ça me fait bien rire. Faut que je fasse des caresses à Messner, faut que je tapote son corps. Bah oui! C'est littéralement ce qui se passe. Si vous comprenez autre chose, c'est vous le problème. C'est vous qui avez l'esprit tordu. Ok, on connaît déjà cette cinématique, alors je vais la passer. Si le jeu veut bien, merci. Le live du vendredi est tarabiscoté. C'est ça, c'est la fin de semaine, on se lâche. De toute façon, en ce moment, vous avez l'esprit tordu. Je sais pas si c'est l'été ou pas, mais vous avez l'esprit tordu. Ok. Fous-moi la paix. Non! J'ai chaud de fou! Putain, j'en ai bien moins chié que la première fois déjà. Hein. J'ai pas été KO. Non, il fait pas partie de l'organisation, lui, c'est juste un cauchemar, je crois. Le chat est chaud, ouais. Les fortes chaleurs. Oui, c'est ça, ça vous tape sur la tête. Je suis trop sage. C'est vrai, Soso, toi, t'as été sage, ça va. Ça va. C'est Sukai, c'est Caroline. Seven, il me sauve la vie.
Oh, Kendo, il est trop mignon! Allez, ça aussi, on connaît. Quoi? Ouais! T'es sage, Seven, toi. Seven le Good, bien sûr. Allez, allons-y. C'est pas parce que le premier s'est bien passé que les autres vont bien se passer. Déjà, il me casse les couilles. Je sais pas pourquoi ça m'a pas soigné. Arrête! J'espère, Erwan. Parfois, j'entends mon pseudo, je suis là. Invocation, bagarre! Attends, deux secondes, Will. Je suis à toi dans quelques minutes. Le raccourci pour déformer les sources OBS. Déformer dans quel sens? Dit comme ça, ça me dit rien. Putain, mais il fait n'importe quoi avec les commandes. Arrête, hein. Ouais, c'est la fusion. Grippe pas. Grippe pas. Boum. Ok, phase 2, c'est bon. One shot. C'est la phase 3 la plus chiante. Mes nouvelles lunettes sont prêtes. Est-ce que j'ai la motive d'y aller maintenant ou ça attend demain? Oh, ça peut. 19h30, ça peut. Bah du coup, déformer comment, Will? J'ai pas compris. C'est mage, mais... Ansem, you're part of my heart now. Part of the light. Ouais, c'est le boss final du premier jeu, ça, Arizona. Qui est le némésis total du personnage de Riku, qu'on joue. Et il est badass, ouais. Bon, c'est là qu'on en était la dernière fois. Et tirer tassé, je m'en suis jamais servi, tu vois. Et la dernière fois, il me pétait la gueule vénère. J'ai eu chaud.
Marre-toi la grosse boule là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et merde! Ah, j'étais bien! Il fait un peu le mec, mais stylé. Oui, bah c'est le méchant, c'est pour ça. C'est lui qu'on a battu avec Sora dans le 1, le sans-cœur. Ouais, tout à fait. Exactement, Erwan. Putain, j'avais atteint la phase 2. Mais j'ai été trop greedy. Ouais, bien joué Erwan, hein, tu gères. T'as les refs. Ok. Ok, il a pris un peu cher. Presque midlife. Fait mal, hein. Putain. J'ai déjà plus d'espoir que la dernière fois. Largement. Ouh là là. À l'aide. Allez, prends tout. Ça rame, c'est chiant. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Je suis pas censé mourir. Je vous rappelle pourquoi. J'ai une capacité qui, normalement, fait en sorte que si on me met une attaque qui aurait dû me tuer, ça me laisse un PV. Et du coup, j'ai... dans les ça, c'est un truc qui a toujours existé. Et dans les jeux précédents, il y avait une frame d'invincibilité pendant quelques temps qui faisait que si tu reprenais un coup instant, voilà comme ça, si tu reprenais un coup instant, tu mourrais pas. Du coup. Parce que ta capacité était à l'œuvre. Sauf que là, la frame d'invincibilité, elle est minime, ce qui fait qu'il y a des fois, je me prends un coup qui doit me tuer et instantanément un autre qui me tue. Et du coup, la capacité, elle sert à rien. Et c'est pas normal. En termes de gameplay et la manière dont c'est prévu, c'est pas normal. C'est pas juste de la mauvaise foi, ce que je veux dire. C'est pas censé marcher comme ça.
Oh! Ça fait plaisir, ça. Oh, il est stun! Je lui ai fait tellement mal qu'il est stun! Voilà, faut que je fuis là. C'est l'attaque qui me bute à chaque fois. Merde, il avance! Ok. Je suis jamais allé aussi loin. Il est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 non. Faut pas que je gride. Faut pas que je gride. Sois cool, sois cool, sois cool. J'ai gagné, putain, let's go. Oui, dégage. Dis-moi qu'il n'y a pas une autre phase après, sinon je pleure. Comme quoi, farmer de l'XP, les amis. Meilleur bail, hein. Niveau 43 pour le battre. Faut que je fasse pareil avec Sora pour Xemnas. S'il y a encore une phase, c'est un peu abusé. Il y a eu 3 phases au total de boss, là. Qui va enfin réussir à se débarrasser de ce fantôme là. Ce bon vieux Ansem toujours si adorable à affronter, toujours Hera, toujours. Strength to protect what matters. Je crois que c'est bon. Ok, pas sûr. Merci Erwan. Sora and I have been split up since the start of our journey. Because Ansem, no, because Xehanort planned it. Heureux Caroline. And that means we're a long way off course from the Mark of Mastery exam Yen Sid gave us. All right. Sora's gotta be here. Somewhere. C'est pas grave, Erwan. Oh, je suis dans le monde de Sora, du coup. J'ai battu Ansem, du coup, j'ai réussi à intégrer le rêve de Sora, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'il considère qu'on est dans un autre Illusiopolis. Et ça doit être un portail pour en sortir. Oui, c'est la carte du monde. Quel bonheur, quel banger! On adore! Record du jeu. Ouais. Avalrêve, j'ai des nouveaux Avalrêves? Ah, c'est le bain Pingu! C'est l'ilm! Cet Alci Pingu n'est pas comme les autres. Depuis qu'il a pris un bon bain chaud, ce filou maîtrise le feu et la glace. Ah ouais, badass. Et j'ai un nouveau trophée. Atteste que tu as vaincu 50 ennemis avec l'altération du réel. Voilà. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. C'est gagné.
Y a rien de nouveau à acheter. Allez, on y croit. Oula, c'est quoi cette musique? Je suis déçu. Je suis très déçu. Zut alors. Bon. Eh ben on va aller farmer de l'XP à Illusiopolis avec Sora. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me reste une heure de live. Je sais pas si j'aurai le temps de farmer assez pour battre Xemnas aussi. Et on va essayer. Ça marche, Caroline.